jamais. Au ravi à jamais. Au ravi à jamais. Au roi de gloire. Au ravi à jamais. Au roi de gloire. Au ravi à jamais. Au roi de gloire. Au ravi à jamais. Au ravi à jamais. Oh Jésus, Bolingwa Mote Manangae, Bolingwa Mote Manangae, Bolingwa Mote Manangae, Bolingwa Mote Manangae.
Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui croit qu'il est venu pour le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois? Et pourquoi nous sommes assis? On n'est pas des téléspectateurs. On n'est pas des stars ici. Nous sommes tous adorateurs. Imaginez qu'un chef de l'État vienne maintenant là. Qui va rester assis? Et qui peut se comparer à notre roi? Nous l'avons dit depuis le premier jour que personne n'est star. Nous ne sommes pas des stars. Chacun a sa grâce, c'est vrai, nous l'admettons, mais on n'est pas des stars. Nous voulons participer ensemble avec vous en adorant le Seigneur. S'il vous plaît, avec crainte et tremblement, nous nous tenons debout parce que c'est le roi. C'est le roi qui nous a invités ici. Nous allons chanter ensemble, nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur. Depuis le premier jour, le Seigneur n'a cessé de bénir, n'a cessé d'opérer des miracles en ces lieux. Ne fût-ce que par rapport à ça, nous ne pouvons fermer nos yeux et rendre gloire au Seigneur que de rester nous regarder. Ça distrait parfois, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons ensemble, avec ce chant, adorer le Seigneur parce que c'est lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de ce Jésus que nous sommes là. Alléluia. Bolingwa motema nangae, 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 Bolingwa motema nangae. Fort. Alléluia. En parole et en acte. Sois béni, Seigneur. Nous voulons proclamer ta main. Sois béni encore ce soir encore. Au parce que de dans ton le peuple. Ciel et sur la terre, il n'y a point d'autre Alléluia. Dieu. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Il n'y a que toi la parole. Et encore la place qui te convient, chair. Seigneur, ce soir. Il n'y a que toi Alléluia. Qui mérite la puissance, il n'y a la que gloire, toi, la Seigneur, domination. Qui délivre. Parce que tu es le maître de tous les Alléluia. Esprits de la terre. Amen. Voilà pourquoi de tout cœur nous te lévons. Alléluia. De tout cœur nous te proclamons, roi. De tout cœur nous t'acclamons, de tout cœur nous te vénérons, parce que tu es fidèle et parce que tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une bonne main d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il va encore faire ce soir, parce qu'il est le roi, il est le maître qui domine. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Oui, qu'on peut s'en embouter, bamoko na bamisusu. Thank you.
Alléluia. Nous avons quelque chose à partager avec vous. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Mais nous voulons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce et pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu, te rendre encore une fois gloire parce que tu es notre Dieu. Nous voulons, éternel Dieu, laisser ce temps, Père gloire, Papa, des messages entre tes sentiments. Garde-nous par ta grâce et par ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens au chapitre 3. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je voudrais parler de la naissance d'en haut. Ici, la Bible m'enseigne. Et c'est une condition. Parce que ça commence d'abord par si. Je réponds encore. Si donc vous êtes ressuscité. Or, une personne ne peut pas vivre la résurrection s'il ne meurt pas. Et cette mort doit être en Christ. Et si la personne meurt en Christ, c'est alors il doit chercher les choses d'en haut. Mais mourir en Christ d'abord, c'est quoi? Parce que des fois nous lisons la parole, nous enseignons sur la parole aux autres, mais ce que nous enseignons peut-être ce n'est pas ça. Et si la Bible nous enseigne que premièrement nous devons mourir, et comment mourir? On ne va pas se couper la tête, on ne va pas prendre du poison. Mais mourir en Christ, nous devons d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous repentir complètement, totalement. Parce que vous allez remarquer dans beaucoup de nos assemblées, il n'y a que des morts. Mais pas dans le Seigneur. Une personne qui est morte dans le Seigneur, vous allez voir même son caractère changera. Même sa manière de parler changera. Même son habillement changera. Parce que la personne est conduite par Jésus. Et mourir en Christ, la personne doit se repentir d'abord. Et si nous confessons nos péchés et nous les abandonnons, et c'est là où nous allons avoir la miséricorde de la part du Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, non, je suis enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Mais ils vivent dans la licence.
Mais cette vie-là ne plaît jamais et ne plaira jamais à Dieu. Dieu, ce qu'il a besoin, c'est nos vies. Nos cœurs. Nos âmes. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Mais il n'est pas venu pour la dîme. Parce que la dîme ne sauve pas. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver. Il n'y a qu'un seul nom. C'est Jésus de Nazareth. Nazareth. Il n'y a pas un pasteur, aucun évangéliste, aucun prophète, aucun apôtre. Il n'y aura pas. Azate. Il n'a jamais eu aussi. Atika la kozalate. Et il n'y aura jamais. Il n'y a que Jésus. Ezaka ka Yesu. Veux-tu être sauvé? Olingi obikisam. C'est toi-même. Eza yo moko. C'est toi-même. Yo moko. Tu dois donner ton cœur à Jésus. Sengeli opesa motema na ona Yesu. Écoutez la parole. Oyoka lo bana nzambe. Et abandonne le péché. Peko kabona na masumu. Et suivre Jésus. Peko landa Yesu. Nous allons prendre un verset dans le livre de Proverbes. Proverbe. Je prends ça rapidement. Proverbe 28. Écoutez ce que la Bible nous enseigne. Au verset 13, Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Voilà. Donc, quand Dieu nous présente la repentance, cela veut dire nous devons d'abord présenter nos péchés devant Dieu. Et nous devons accepter nos péchés et abandonner. Mais vous allez voir beaucoup de gens, même des prédicateurs, ils se disent prédicateurs, mais ils sont ancrés dans le péché. Oh, ce que Dieu entend de nous, c'est la repentance. Celui qui accepte ses transgressions devant Dieu, c'est bien. Mais tout le monde peut le faire. Oh, les gens confessent le péché. Chaque fois. Quand on appelle les gens, venez devant. Qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tout le monde court devant. Et ils confessent ici. Mais au retour, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils vont continuer la même vie. Ça, c'est une fausse repentance. La vraie repentance, quand on abandonne complètement sa vie à Jésus de Nazareth. Là, tu as la protection de Dieu. Là, même si l'enlèvement venait, tu seras enlevé. N'accusez pas seulement du pasteur. Mais vous aussi, est-ce que nous avons vraiment vécu la repentance? Regarde, nous sommes ici depuis le vendredi passé qu'on a commencé ici. L'apôtre a prêché l'évangile. Mais ce que Dieu veut, c'est ton âme. Tu peux être ici. Mais demain tu vas répondre la même chose. Et si tu meurs comme ça? C'est l'enfer. Ok, il y fait l'eau. C'est l'enfer. Il y fait l'eau. Les gens acceptent leurs péchés, oui. Bato bandima kake na salaki mabe, eh. Mais abandonner non. Non, les gens ne veulent pas laisser.
C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de nos assemblées sont malades. Yangwana komona mingi na masangana biso ezali na bokono. Et ces genre de personnes n'iront jamais loin avec Christ. Boye lolenge ya batu ya boye bakoyiko kene mosika te longo na Christ. On va accuser toujours Dieu le diable qu'on accuse. Toko funda Satana, oh Satana yeka ande to funda. Mais nous avons entendu la parole, quand est-ce que nous allons changer? Kasito sito yiki lo bana nzambe tango nini toko bongwana. Et la Bible nous disait dans le livre de Colossiens. Si vous êtes ressuscité, vous devez chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce ne sont pas les matériels que nous voyons ici. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas les choses d'en haut. Avoir beaucoup de maisons, ce n'est pas ça les choses d'en haut. Mais les choses d'en haut, c'est les choses qui sont cachées avec Christ. La sanctification, par exemple. Ce n'est pas la vie de ce monde. Ce sont les choses d'en haut. La pureté. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Mais posons des actes qui montrent vraiment que nous sommes repentis réellement devant Dieu. Parce que la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Amen. Que Dieu vous garde.